On y va. Peut-être que j'enlève le masque, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'appréhendais d'être debout, d'être... Mais non, en fait, non. Ouais. Je peux... Ça vous embête si je regarde mes notes? J'ai pas trop droit à l'erreur, du coup. En fait, j'ai jamais été geek. C'est parti. Ça fait plaisir? Oui, ça fait très plaisir. 40 ans, c'est un beau chemin en fait parcouru. Eh ben, 40 ans, moi, je les ai pas. Donc, j'en ai que 10, mais au bout de 10 ans, on peut dire qu'on a une certaine fierté. Une grande fierté. C'est un gage de qualité, un gage de confiance pour l'entreprise. Une vraie famille, on va dire. C'est surtout la volonté d'écrire la suite et les prochaines années. Là, c'est compliqué. On fait en sorte, avec toute l'équipe, que les ordinateurs fonctionnent bien et tout le temps. Mon métier, c'est d'aider les gens à mieux utiliser leur ordinateur. Toujours faire gagner du temps à des collaborateurs par des outils informatiques. Nous sommes architectes de systèmes d'information. En clair, on prend des briques de Lego, on les assemble et on s'assure que ça tient. Disons qu'on avait des ordinateurs avec des écrans verts, des disquettes 5 pouces 1 quart, on n'avait pas d'internet et puis on était sous DOS. C'était passionnant mais beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. C'était plus de la mécanique que de l'informatique. C'était la transition entre deux mondes, le monde de la mécanographie avec les machines à écrire d'une part et le monde de la micro qui s'installait dans les entreprises. Il y avait moins de complexité avec les virus, les applicatifs, on avait moins de soucis en fait. Clairement, c'est l'Internet. L'Internet, où on est passé du modem 56K à la fibre. Toutes les technologies autour du mobile, justement, et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est la capacité d'interconnecter des sites entre eux, des utilisateurs entre eux. C'est ça qui a véritablement porté les 40 dernières années, l'ouverture vers l'extérieur. Pour la 5G? Pour. Ah, pour. Pour. Pour, évidemment. Je dirais contre. Je pense qu'aujourd'hui, l'informatique va très vite. On a d'autres priorités, peut-être aujourd'hui, sur lesquelles chercher, avancer. PC. PC. Plutôt PC. Plutôt Mac. Les deux. Mac et PC, tout va bien. Bon, je suis toujours figé. Ça va pas. Je suis bon, là, au même endroit? Non, je vais rester là. Ça fera demander à mes collègues de la gestion. Un outil de gestion d'entrepôt. C'est mon cœur de métier, donc je n'ai pas trop droit à l'erreur. Ça permet de connaître en temps réel le stock et les mouvements qui se font au sein d'un dépôt. C'est la brique essentielle de la supply chain. C'est ce qui permet à Amazon de vous livrer demain ce que vous avez commandé aujourd'hui. Je dirais familial. Confiance. Professionnalisme. Valeur. Compétence. Fidélité. Moi, je dirais maturité. RBI. T'es pas né? Non, j'étais bébé. Non, en 80, j'étais pas geek, j'étais trop petit, mais par contre, aujourd'hui, moi, je suis geek des années 80. J'étais geek dans ma jeunesse, il paraît que maintenant, c'est à la mode. Pas du tout, j'étais flipper et littéraire. Alors, pas du tout, même si j'avais un TO-770 qui était parmi les premiers ordinateurs avec des cassettes, mais j'ai jamais été geek. Et le plus rapide qui répond? Je peux la refaire. Je regarde mon anti-sèche, vous m'excusez. Bon, ça c'est fait. Google Chrome. Google Chrome. Firefox. Moi, je suis plutôt Google Chrome. Après, ça peut être les deux. Il y a un qui permet la gestion de l'entreprise et l'autre la gestion relation client. ERP, selon moi, est un moteur de données et CRM est un moyen de l'exploiter. Finalement, le CRM, ça peut être dans l'ERP. En tous les cas, ces deux applications forment la brique essentielle de la transformation digitale d'une entreprise. Sera automatisé par commande vocale. Plus du tout de câblage, plus d'écrans physiques, des écrans virtuels. Minority Report avec les écrans. Il y aura de l'intelligence artificielle, ce qui va beaucoup faciliter tous les processus au niveau informatique. Ça semble attrayant dans 40 ans. Très bon anniversaire RBI. Que l'aventure continue et que l'équipe vive bien
et qu'on soit heureux à travailler tous les jours en fait. Bon anniversaire RVI, que ça continue comme ça et puis qu'on continue à satisfaire nos clients. On a été là et on est encore là et on sera encore là. De belles perspectives pour les 40 années à venir, autant pour nos équipes que pour nos clients. Ce serait de continuer à cultiver cet esprit famille qui aujourd'hui je pense est au cœur de l'entreprise. Que les succès et les réussites que nous avons pu cumuler depuis ces dernières années nous profitent dans les années à venir.